الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir vers cette mosquée bénie, vers cette maison bénie, pour toujours être dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher toujours son contentement. Vendredi, le meilleur jour de la semaine, là où il est conseillé de lire en abondance, d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, en islam, le thème d'aujourd'hui, quelle est la fonction des récits dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala mentionne maintes récits dans le Coran. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ Certainement, il y a dans leurs récits, dans les récits des prophètes alayhim salatu wassalam, une leçon pour ceux qui sont doués d'intelligence. Une leçon. Les leçons d'histoire nous permettent de connaître les éléments de la réussite d'une civilisation, les éléments de l'échec d'une civilisation, ne pas répéter les mêmes erreurs. Éviter que le passé ne se passe jamais, non. Prendre en considération, prendre des leçons à travers les histoires des prophètes alayhimu salatu wassalam, pour nous permettre justement de connaître quel est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous transmettre. Et parmi les histoires qu'on a choisies aujourd'hui, il y a l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec le roi de l'époque, le titre, le pharaon de l'époque. Son histoire nous interpelle. Son histoire nous interpelle. Et nous avons remarqué que cette histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et bien d'autres histoires sont répétées dans le Coran. Et la répétition des histoires dans le Coran n'est pas vaine. La répétition des histoires dans le Coran nous permet de comprendre que cette histoire, elle est importante. Différents endroits, différentes leçons, différents enseignements pour nous, pour qu'on puisse voir clair. Est-ce que les événements d'aujourd'hui font-ils écho? Est-ce que les événements d'aujourd'hui font-ils écho aux événements à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam et de Pharaon? Est-ce que les événements qui se passent aujourd'hui font-ils écho à l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et de Pharaon? Nous allons voir de plus près. Pharaon, il avait cette aptitude de contrôler les masses. Il avait cette aptitude de contrôler les masses. Les mouvements de masse, il avait un contrôle social dessus. Moussa alayhi salatu wassalam, il est venu avec un message clair et net. L'unicité d'Allah. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Être un serviteur d'Allah. Pharaon a rejeté ce message. Et Pharaon a entraîné son peuple à ne pas suivre le message de Moussa alayhi salatu wassalam. Donc il avait cette aptitude de contrôler socialement les mouvements populaires, les masses sociales. Et comment il a fait pour y parvenir? Il a excité son peuple.
il les a entraînés dans un tourbillon où la réflexion n'existe pas, où la réflexion n'est pas là. Fastaghaffa qawmahu fa'ata'u. Ay istafazza qawmahu, istafazza fir'aun qawmahu. Il a excité son peuple. Au lieu de faire comprendre, au lieu de réfléchir, ce peuple a suivi Pharaon. Et regardez ce que Plénel écrit dans son livre pour les musulmans, pages 31 et 32. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce sont ceux d'en haut qui ici m'importent, tant les passions xénophobes ne sont jamais de génération spontanée, mais toujours suscitées et entretenues par des défaites plus essentielles, des défaites de la pensée. Ceux qui devraient éclairer, éduquer, élever et non pas abêtir, c'est-à-dire rendre bête, excité, énervé. Plénel parle de notre époque. Et c'est ce que Pharaon, il a utilisé, la même méthode à l'époque. Exciter son peuple, agiter son peuple, interdire le peuple de réfléchir. Moussa alayhi salatu wassalam, il était transparent. Il est venu avec un message clair. Il ne voulait ni le pouvoir, ni l'estime, ni la notoriété, mais simplement accomplir sa tâche de prophète. Alayhi salatu wassalam, inviter vers le bien et interdire le mal. Pharaon, il va tout faire. Les méthodes empruntées par Pharaon, est-ce qu'aujourd'hui il y a ces mêmes méthodes, on vient de voir avec Plénel. Exciter le peuple, abêtir le peuple, au lieu d'éduquer, les rendre moins encore aptes à réfléchir. C'est pour cela un philosophe, il avait l'habitude de dire, séduire, c'est réduire. Écoutons bien, séduire, c'est réduire. Réduire la réflexion. Charmer une personne, c'est l'inviter à ne plus réfléchir, à le mettre dans le même piège. Réduire la réflexion. Et comment il va réduire la réflexion? Il va emprunter deux méthodes. Pharaon va emprunter deux méthodes. Et ce sont les deux méthodes qu'on retrouve, subhanallah, aujourd'hui. Pharaon, il va utiliser deux méthodes pour que le peuple ne réfléchisse plus, pour que le peuple n'y voit plus clair. Il n'y a pas cette clairvoyance. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a été invité pour qu'il présente son miracle, mais qu'est-ce que Pharaon il a dit? Ce n'est pas un miracle, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est lui qui utilise la magie, Pharaon, et il accuse Moussa alayhi salatu wassalam d'utiliser la magie. Et pourquoi? Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi. Il veut vous expulser de votre terre. Il veut vous expulser de vos terres. Regardez, par sa magie. Pharaon, il a dit à son peuple, à la haute société qui l'entourait, Moussa alayhi salatu wassalam, il veut vous expulser de vos terres. C'est-à-dire utiliser la peur. Utilisez l'angoisse. Montrez que il n'est pas venu pour vous inviter, mais il est venu pour prendre vos terres. Il est venu pour s'y installer et vous de partir. Et vous de partir. Et regardez ce que Plénel, il écrit page 16. Plénel, qu'est-ce qu'il dit? Page 16. Celui des politiques de la peur, qui s'aveuglant aux causes pour frapper les effets, ne font qu'accroître les périls et les menaces. Aujourd'hui, on utilise la même méthode, celui de la peur. Ce peuple-là, attention, ce peuple-là, il faut faire attention, parce que ce peuple-là, il vient expolier votre terre. Ce peuple-là, il inspire la peur. Donc, le lien social, c'est la peur, ce n'est plus l'entre-connaissance. Qu'est-ce que le Coran dit? L'ita'arafu, pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, quelle que soit sa religion, c'est un être humain. Je le respecte en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Je n'ai pas le droit de le tuer. Je n'ai pas le droit de l'injurier. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit qui pourrait atteindre son honneur, sa famille, ses biens. Il est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit sa conviction. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais Pharaon, il va utiliser cette peur, cette angoisse pour dire que, attention, lui, il va venir et vous expulser de votre terre. Ne regardez pas. Donc, le peuple, il ne réfléchit plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bouillonnement médiatique associe la crise sociale, la crise sociétale à un peuple. Que ce peuple-là, il est la cause de tous vos maux. L'autre est devenu l'expression de tous mes difficultés, de tous mes maux, de tout ce qui me touche. Tout, je n'ai pas de travail, c'est la faute de l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis. Gérard Noiriel, historien, il date. Noiriel date avec précision l'invention du problème de l'immigration en 1881. En 1881, il date le problème de l'immigration, l'invention du problème de l'immigration en 1881, l'affaire dite vêpres marseillaise. Bon, ça c'est de l'histoire, mais qu'est-ce qu'il écrit? Mais qu'est-ce qu'on écrit dans le Monde diplomatique août 2007? On écrit, pour la première fois, à partir de cette date, le moindre fait divers impliquant une personne d'origine étrangère devient une illustration du problème de l'immigration. Ce que Pharaon il a fait en inspirant la peur que ce peuple-là, Moussa alayhi salatu wa salam, et son peuple, c'est la cause de tous vos problèmes. Faites attention, cette même méthode est aujourd'hui utilisée. Au lieu de comprendre qu'est-ce qui fait les crises sociales, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les gens tombent dans la violence. Mais au lieu de comprendre, parce que comprendre ne veut pas dire justifier les actes violents, non. Comprendre ne veut pas dire justifier la violence, mais comprendre pour sortir de la crise tous ensemble, parce que nous avons un pacte social, nous sommes tous des citoyens français, musulmans, hindous, catholiques, telle religion, mais nous partageons un pacte social commun. Et vous savez, à force de dire quelque chose qui n'existe pas, on le fait exister. C'est ce qu'on appelle un effet performatif. Un effet performatif. Quelque chose qui n'existe pas. Ben, à force d'en parler, dans le bouillonnement médiatique, à force de le dire, on le fait exister. Il y a un problème de l'immigration, il y a un problème de tel peuple, il y a un problème des musulmans, parce qu'on dit qu'il y a un problème des musulmans, alors qu'il n'y a pas. Mais à force d'en parler, voilà où on arrive. Et Pharaon, il a utilisé, c'était sa méthode pour dire que Moussa alayhi salatu wassalam, ne l'écoutez pas. Son discours, ce n'est pas un discours honnête. Ne l'écoutez surtout pas. Il est pour le pouvoir, il est pour l'estime, il est pour la notoriété. Ne l'écoutez pas, il vient prendre vos terres. C'est la peur. Donc ce qui veut dire qu'il y a un délit de faciès. L'autre représente le mal. C'est pour cela que certains événements font écho à l'histoire de Pharaon et de Moussa alayhi salatu wassalam. Deuxième méthode pour bannir, éradiquer la réflexion, pour effacer la réflexion. Deuxième méthode que Pharaon y va utiliser. Subhanallah, c'est la même méthode qu'aujourd'hui on emploie. Deuxième méthode, regardez. Qu'est-ce qu'il va dire à son peuple? Voyez, Moussa alayhi salatu wassalam. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Qu'est-ce qu'il va dire à son peuple? Il dit, regardez, Moussa alayhi salatu wassalam, il veut prendre ma place. Mais quelle ingratitude! Et il n'a pas de reconnaissance envers moi. Il était petit, je l'ai pris. Tout enfant, je l'ai éduqué. Tout enfant, je l'ai élevé. Et il a demeuré dans ma maison plusieurs années. عمرك سنين. Il a resté beaucoup de temps chez moi. Quoi? Maintenant, cet enfant qui grandit, il ne reconnaît pas celui qui lui a donné l'hospitalité? Et il veut prendre ma place? Mais, ô peuple, que pensez-vous de cela? N'est-ce pas une ingratitude? Ah oui, t'es bien comment? Même un chien ne le ferait pas. Un chien ne le ferait pas. Il ne rejetterait pas son maître. Ah ben oui. Mais on n'écoute pas ton message, Moussa alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui t'a donné l'hospitalité, quelqu'un qui t'a donné tout cela, maintenant tu veux prendre sa place? Il a joué sur quoi? Pharaon, il a joué sur quoi? La première chose, il a joué sur la peur. La deuxième méthode qu'il utilise pour éradiquer et effacer la réflexion, il a joué sur quoi? Sur l'émotion. Sur l'émotion. Il a joué sur l'émotion. C'est-à-dire, ah ben oui,
T'es, comment tu peux faire ça? C'est pas bien ce que tu fais. Regardez. Cécile Robert, Le Monde diplomatique, février 2016, page 3. La stratégie de l'émotion. Regardez, qu'est-ce qu'elle écrit? La stratégie de l'émotion. L'émotion, elle empêche le recul nécessaire à la pensée. Elle prive le citoyen du temps de la réflexion et du débat. Lorsqu'il y a un événement, l'émotion est grande après tel attentat. L'émotion est grande après telle tuerie. Ah, on ne cherche pas la cause de cela. Parce que rechercher la cause de cela reviendrait à justifier et à être avec ceux qui ont agi de la sorte. C'est faux. On empêche. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Monsieur Jean-Claude Lenoir, ancien président du Cercle Condorcet-Voltaire, qu'est-ce qu'il dit? L'émotion s'impose au point que toute conscience est émotion. L'émotion demeure l'ennemi radical de la raison. Elle ne sait pas de comprendre, elle ressent. On doit cet état contemporain sans doute aussi à l'influence et à l'émergence des réseaux sociaux. De distance aucune, on tweet, on gazouille à tour de bras. Se dégrade le sens critique, la culture, la recherche de la vérité, on balance. Et elle écrit plus loin, le citoyen, au lieu d'être actif, il est en position passive. Il réagit au lieu d'agir. Il s'en remet à son ressenti plus qu'à sa raison. Ce sont les événements qui le motivent, pas sa pensée. Les marches blanches qu'il y a eu pour tel ou tel attentat n'ont aucune conséquence pratique. La justice demeure sans moyen. La société continue de se décomposer parce qu'on accuse l'autre. Dans l'émotion, on accuse l'autre. Et qu'est-ce qu'elle dit? D'ailleurs, on n'a pas encore répertorié aucune marche blanche pour le suicide d'un chômeur ou l'assassinat d'un inspecteur de travail. Ah, où est l'émotion là? Où se trouve la marche blanche? C'est pour cela, lorsque nous traversons une période confuse, mais les notions confuses aussi augmentent. Et qu'est-ce qu'on va dire? Islam égale radicalisation. Écoutons bien les termes. Les mots sont importants. Pierre Tevagnan, il écrit, il incite. Les mots valent quelque chose. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? Islam égale radicalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette phrase, elle est importante à comprendre. Nous, islam égale radicalisation, ben ça veut dire quoi? Islam égale radicalisation, écoutons bien le sens de cette phrase. Toute visibilité de l'islam, que ce soit en tenue de kurta, que ce soit lorsque mes cheveux sont couverts, alors que je ne suis pas hors la loi, lorsque les femmes se couvrent leurs cheveux, on n'est pas hors la loi. Qui le dit? Aristide Briand, le père fondateur de la laïcité, dans son livre « La séparation, la discussion de la loi ». Page 298, lorsqu'on lui dit qu'il faut interdire les vêtements, les femmes, mais nous-mêmes, lorsqu'on voit une femme se couvrir les cheveux, on nous dit c'est contraire à la laïcité, mais on ne connaît pas ni nos versets, ni nos hadiths, et ni la loi du pays. Et on balance, t'es hors la loi, mais c'est toi qui es hors la loi, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que la laïcité. Lorsqu'on a demandé à Aristide Briand, lorsqu'il a fait la loi, un député lui a dit, il faut mettre une prescription vestimentaire. Qu'est-ce que Aristide Briand lui a répondu? Entre autres, ridicule, le père fondateur de la laïcité. Ridicule, il faut retenir ce mot-là. Ridicule, si vous êtes invité dans les médias, n'oubliez pas de le dire. Ridicule, on revient. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que toute visibilité de l'islam est synonyme de violence. Il a une potentialité de violence. Mais où va-t-on? Les mots ont une importance, radicalisation. Jacob Rogozinski, un philosophe, professeur à l'université de Strasbourg, qu'est-ce qu'il écrit dans Le Monde du 5 avril 2016, page 20? Le titre c'est quoi? Être radical, c'est agir contre la souffrance sociale. Oh, les mots ont un sens. Être radical, mais dans ce cas-là, toutes les associations caritatives sont radicales, parce que être radical veut dire agir contre la misère sociale. Ah, attention. Et aussi, lorsqu'il y a confusion d'un côté, mais on oublie l'autre côté. Islamophobie. Aujourd'hui, on dit que ce mot était inventé. Islamophobie veut dire un préjugé contre l'islam. Et aujourd'hui, les penseurs vous disent qu'il ne faut pas utiliser ce mot islamophobie parce qu'il a été inventé soit en 1970, soit en 1990 pour interdire toute critique visant l'islam. Faux. Faux. Le mot a été inventé par un Français, Alain Quilien, au début du XXe siècle.
au début du XXe siècle, en 1910, plus exactement dans la politique musulmane dans l'Afrique occidentale française, il écrit qu'on est en train de, en ce sens, qu'on est en train de montrer du doigt l'islam. On est en train de transformer cette religion en une religion violente. C'est faux. On est en train de fabriquer des jugements sur l'islam. C'est faux. Donc un préjugé contre l'islam, c'est ce qu'on appelle la islamophobie. L'islamophobie. Donc c'est un terme qui n'est pas pour contrer toute critique de l'islam. Ce n'est pas un racisme imaginaire. Cela existe bel et bien. Donc nous voyons qu'on a utilisé la peur, on a utilisé l'émotion pour cadenasser la réflexion. Les gens maintenant, c'est un délit de faciès. Aujourd'hui, avant, il y a 30 ans de cela, lorsqu'on regarde un musulman passer, bonjour monsieur, ça va aujourd'hui, lorsqu'on regarde un musulman passer, on cachette. Tout cela, c'est voulu. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous ai amené les références. Donc c'est très important de comprendre cela. Mais en 1910, page 133. Alain Kilian. Donc c'est pour cela, en résumé, il est important de résumer. Le résumé, c'est pas moi qui va le faire, c'est Mariano Aguirre, dans Manière de voir, numéro 107, page 55. Qu'est-ce qu'il écrit ? L'Europe ne devrait-elle pas refuser la vision xénophobe et simplificatrice du choc des civilisations et proposer comme modèle politique le dialogue des cultures qui lui a si souvent réussi ? En d'autres termes, la finalité de toute démocratie, c'est d'accepter l'autre. C'est dans la Constitution. Et le Coran l'a parlé il y a bien avant cela. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment nous donne la compréhension. Cette histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, elle est très importante pour nous permettre de comprendre l'actualité d'aujourd'hui, pour que le passé, une fois passé, il ne revient plus. Parce que pour l'instant, le passé n'a jamais passé. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire.